Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce quatrième épisode de Jack and Dexter, The Legacy Précurseur. Donc on est parti pour la suite sur l'île, je sais plus comment elle s'appelle, donc let's go. Oh, ça commence bien, dégage, merci. Voir ce qu'on peut... Merde, c'est vrai que c'est du truc noir, faut pas toucher ça. Le jeu, je me rappelle plus trop les trucs, ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu, je suis perdu. Voilà, c'est officiel, je suis perdu, je sais plus où est-ce que j'en étais. Où est-ce qu'il fallait aller? Ah oui, il y avait un truc à esquiver là-bas, si je me rappelle bien. Je voulais aller. Non, tombe pas. Dégage. On va essayer de récupérer un peu de vie, ça peut être bien. Parce que c'est vrai que là, niveau vie, j'ai un peu tout perdu dès le début d'épisode. Hop. Mais non, je retouche ça, mais je suis con. Bon, tant pis. C'est pas grave, ça va, on reprend ici. On reprend pas très loin. Mais j'ai pas sauté dessus le jeu. Oh, ça va, ça commence à m'énerver déjà. Meurs-toi, voilà. Bon, cette fois-ci, on attaque pas. On va direct s'attaquer à lui si je peux. Voilà. Voilà, c'était ici si je me rappelle bien. Les trucs à esquiver, ouais, c'était là. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec une vie, ça va être compliqué. Oh, l'esquive. Ça va. Allez. On va retester là. Let's go, on part. Ok. Faut juste avoir le bon pattern pour les trucs qui rebondissent, c'est tout. Let's go. Faut juste réussir à savoir où est-ce que les... C'est bon, je vais récupérer un point de vie. Où est-ce que les trucs qui rebondissent vont rebondir, c'est tout. On va attendre. On va y aller après celui-là. Voilà, let's go. Ok, on a réussi. Enfin, j'ai réussi, c'est cool. Me dis pas qu'il y avait rien. Il y avait rien. Non, il doit avoir un truc quand même. J'ai pas fait tout ça pour rien. C'est impossible. Il y a des ennemis. Ça serait con de mourir maintenant. Dégage. Oh yes, fallait bien. Oh là là, je suis trop fort. C'est bon. On a une pile. Si je me rappelle bien, c'est ça. T'as toujours la petite danse. Récemment, j'ai regardé. Je dois l'admettre, je suis impressionné. Vous vous en êtes très bien tiré. Désormais, les Lurkers ne peuvent plus ouvrir ce silo pour envahir le monde des Connoirs et causer sa destruction. Ce n'est pas la peine de jouer bêtement, Daxter. Vous avez encore beaucoup à faire. Allez, action. Ok, on est vite fait remercié. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, récemment j'ai vu un speedrun de Jack and Dexter en 1%. C'est très impressionnant. Il y a écrit quoi? Il avait écrit un truc. Rond pour utiliser. Ah! Ah, c'était lui qui nous balançait depuis tout à l'heure les bombes. Et on peut charger. Ah, il faut pas toucher le truc bleu là, le truc vert. On va essayer. Parce que je vois qu'on peut charger les tirs. Non. Ça sert juste pour détruire les caisses. La cellule a été détruite. Je sais plus s'il y a des. Je sais plus s'il y a des. Des dégâts de. De chute. Non, il n'y a pas de dégâts de chute, ça va. Donc on va pouvoir récupérer. Ouais, on peut faire des roulades. Oui, on peut faire des roulades, c'est vrai. On peut récupérer cela. Hop. On va récupérer ses œufs. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Voilà, on a tout récupéré, tout ce qu'on avait besoin. Je vais reprendre l'espèce de machine qu'on avait là. De machine de.
Alors faut pas tomber là-dedans si je me rappelle bien. La machine... Oula, j'ai failli tomber dedans. Mais il faut que... Je peux plus sortir. Ça doit être par là, ça va s'ouvrir, non? Oui, ça s'ouvre, ok. Ok, dégagé, merci. Je sais plus ce qu'elle fait cet écho rouge. Mais bon, on le saura pas tout de suite. Ce que fait l'écho rouge. Hop! Aïe! J'ai oublié d'attaquer, comme un con. Dégagé, hop! Et c'est pas là. Il faut encore monter, je pense. Parce que j'ai envie de récupérer mon petit. Ma petite moto là. Parce que. Si je me rappelle bien, il y a les mecs là à vaisseau. Qui sont avec leur vaisseau volant, qu'il faut détruire, qu'il faut tuer. Que si on les tue tous, je pense qu'on va en gagner une pile. On va tester. On va aller à la moto que je cherche. Voilà. La moto qui est incontrôlable. Je sais plus comment on avance. Ok, on avance comme ça. Parce que si je me rappelle bien, on peut les tuer, eux, non? Enfin, si je me rappelle bien. J'en ai jamais testé, mais... Bon, faut juste pas viser... Pas... taper dans leurs bombes, on peut les... Voilà. On peut les tuer, c'est bien ça. Faut juste pas taper dans leurs bombes, quoi. Dégage. Et on va essayer de la voir tout de suite. Hop. Il en reste combien à voir? Ah, il y en a un tout là-haut. Non, c'est pas un mec. Ok, il reste celui-là. Je pense que c'est le dernier. Dégage. Non, c'est pas le dernier. C'est not the end. Ça servait à rien de les tuer? Non. Attendez, vous savez quoi? On peut toujours voir ça. On est sur les... Ramène le muse au sculpteur. Grimpe sur le navire des Luckers. Détruis les ballons des Luckers. Bah c'est ce que je... C'est... Y a pas... On les a pas tous détruits. Et les 7 libres trucs mécaniques. On a pas, on l'avait pas déjà donné le... Merde, qu'est-ce que je fais? On les avait pas déjà donné la muse du sculpteur? Je sais plus. On a peut-être pas fait. Ah, peut-être j'avais dit on le fera dans le prochain épisode quand je reviendrai sur Olive, etc., etc. Je pense que ça doit être ça. Mais où le dernier ballon? C'est ceux qui sont là-haut, là? Non. Faut croire que si. Ah ouais, c'est lui, ok. C'était lui le dernier. Je pense que c'est le dernier, on verra bien. C'est pas le dernier parce qu'il y en a un autre là. Mais oui, bol. Arrête de voler, toi! Redescends sur Terre, STP. Ah, ok, je... Non, attendez. Comment on peut l'avoir? Ah, il est redescendu. Il doit faire un tour et il descend un moment, je pense. Ça doit être un truc comme ça. On les a tous eus, voilà! Voilà, mais je suis trop fort! Et dès qu'on a... Et voilà, on va récupérer celui-là. Et on va retourner... bah là où il faut, quoi. Hop. La petite danse, toujours. Magnifique petite danse. En vrai, le jeu, on le fera pas à 100%. On va juste faire... Vous avez arrêté tous les lurkers poseurs de mines. Ils menaçaient les eaux proches de notre village depuis des semaines. Ramenez le Zoomer au transpad et je le téléporterai. C'est ça, le Zoomer? Pas parce que c'est le Zoomer. On va revenir sur l'île principale. Comme ça, comme ça, on va pouvoir continuer vraiment dans. Je pense qu'on peut aller voir maintenant la fille qui va peut-être nous faire un véhicule. Elle nous avait pas dit qu'un certain nombre de piles, elle pouvait nous faire un petit véhicule. Si je me rappelle bien, elle avait dit un truc comme ça, non? Mais je sais même pas où est-ce qu'il. Où était le départ de cette île? Je croyais que j'étais mort, mais pas du tout. Ok, c'est là-bas. On va retourner sur l'île principale. Let's go!
Et on reviendra plus tard ici s'il faut. Mais s'il n'y a pas besoin de revenir là, on va pas revenir, je pense pas. Comme je vous ai dit, le but c'est... Au début je voulais faire à 100%, mais quand je vois un peu le truc, il faut faire des allers-retours, des machins, des trucs. On va pas le faire à 100%. On va récupérer les trucs qu'on peut et puis voilà. Donc cette cinématique est juste un temps de chargement. Voilà. On va revoir la fille. Est-ce qu'elle peut nous faire maintenant? Bien! Vous avez assez de piles d'énergie pour alimenter mon bouclier thermique. Retrouvez-moi au canyon de feu, sur la falaise, derrière la maison du fermier. Amenez les piles d'énergie et dépêchez-vous. Mon père a vu de nouveau Lurkers. Ok, merci. On va y aller tout de suite. Let's go. Mais y avait pas un autre truc que tu me faisais faire si jamais j'apportais tant de piles? Ou c'est moi qui avais totalement zappé? Parce que je vais pas regarder les premiers épisodes. Je vais pas regarder, donc je sais plus trop. On va quand même aller voir le mec, on va voir. Il se trouve, y'a rien. Est-ce que pour ce truc là, non? Est-ce qu'il y a un téléporteur là, mais. Ok, bon bah y'a rien. Bon, allons voir la madame au canyon de feu. Et on va découvrir une nouvelle zone. Ça, c'est cool. Après avoir un peu. Être resté quelques temps dans les. Dans l'île de la brume, on va aller au canyon de feu. On se rappelle, c'est derrière la maison du fermier. On y était déjà allé, on nous avait mis un gros stop quand j'ai essayé d'y aller. On va y aller en roulant. Faut monter là, non? Si je me rappelle bien, c'est là. Ouais, c'est là. Ça va, j'ai des bons rappels. Malgré que ça fait à peu près une semaine que j'ai joué au jeu. Allez, le bouclier thermique. Super! Vous avez les 20 piles nécessaires à mon bouclier thermique. Attention, le bouclier ne protège le zoomer que jusqu'à 500 degrés. Alors veillez à ne pas les atteindre. Il se réchauffera très vite si vous survolez la lave. Et si vous atteignez 500 degrés, ce sera fini. Fini? Comme du métal tout fondu et brûlant? Le canyon de feu est très chaud. Alors essayez de faire des sauts pour éviter le sol brûlant. J'ai aussi relâché plusieurs ballons bleus de refroidissement que vous pouvez utiliser pour rafraîchir le bouclier. Oh, et quand vous aurez traversé, n'oubliez pas d'activer la porte de téléportation dans le labo du sage bleu. Ainsi, nous pourrons nous téléporter jusqu'à vous. Bonne chance. Merci, let's go. On a le zoomer. Faut faire gaffe à la chaleur. Ok, il y a une barre qui monte. Ok. Faut faire extrêmement gaffe. Parce que. Voilà, ça commence à grimper. Passe sur les trucs précurseurs pour nous rafraîchir. Il y a des mécabouches ici aussi. Oh, essayons de prendre de l'altitude avec ces lurkers. Ok, en tapant les lurkers, on vole. Ok, j'ai compris. Ouais, c'est... Faut juste comprendre le truc, ok. Let's go. Donc quand on tape les lurkers, on vole. Ce qui fait que, bah... On prend de l'altitude, regardez. Wouhou! Ce qui fait qu'on peut récupérer... les ballons. Et sauter des... Des endroits où de base on ne peut pas aller. Là il y a une mécamouche. Voilà. Ah si on. D'accord, il y a des trucs où il faut pas passer dessus parce que ça met des pièges. Ok. Je comprends. Virage sauté, c'est quoi ça? Je vais mourir. Oh merde!
Ah, c'est chaud, mais c'est compliqué. Trop compliqué ce truc. Est-ce qu'on recommence? En quoi il y a des boutons sur lesquels il faut pas appuyer? Enfin, là, j'ai appuyé sur un bouton, ce qui fait que je suis obligé de passer par par le sol brûlant. Merde, en plus si je loupe les ballons, ça va pas le faire. Ah, je vais pas rouler dessus. Faut arrêter le jeu. Oh, mais c'est incontrôlable comme objet, c'est incontrôlable. Et voilà, je vais mourir. Oui, bah oui, j'ai compris, Dexter. Dexter, j'ai compris, ok. Tu te calmes. C'est pas toi qui conduis, hein. J'aimerais te voir. Je pense que ça, on va passer sur l'ellipse jusqu'à ce que j'y arrive, parce que là... Oh merde, j'ai loupé. Allez, ça dégaze. Let's go pour le piège. Mais en plus, ça fait baisser que dalle. Parce que je fais de la merde. Hop. Mais c'est trop compliqué avec tous les pièges et tout à éviter. Comment tu veux y arriver? Et la manette. Allô la manette? Merci. Oh là 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 là, mais ça va être un endroit compliqué, ça je le sens. Oh non! J'ai pas eu le ballon. Ah mais c'est vrai qu'on peut sauter, j'avais oublié. On peut faire des petits sauts et tout. C'est vrai que je peux sauter moi aussi. Hop. Là on saute, là on fait un petit saut, là on récupère. Ouais là il y avait pas de chemin, tant pis. Ah là mes camouches, tant pis. Putain on a réussi, j'ai réussi. Oh c'était compliqué. Oh c'était très compliqué. On a loupé des mécamouches, c'est pas grave. Et on est au village de pierre. Nouvel endroit. Et on nous a dit d'aller voir le mage. Enfin, le je sais plus quoi pour activer le portail de téléportation. Voilà! Je crois que je ne m'habituerai jamais à cette espèce de chatouillement du téléporteur. On dirait que le sage a fait une fête. Oh là-bas, le village des pierres est en flammes. Oh, ça, c'est une sacrée fête. Non, non, le village des pierres se fait bombarder de rochers enflammés. Oh, et on dirait que le sage bleu travaillait sur une machine à lévitation pour les déplacer. En supposant que cela fonctionne, il va nous falloir des piles d'énergie pour l'alimenter. Je pense qu'il va falloir que vous en trouviez plus. Nous ferions bien de regarder ces notes. Jack, va voir les villageois. Et reviens nous dire ce qui se passe. Et emmène la boule de poil. Super, toujours à moi de faire le sale boulot. Bon bah allons voir ce village de pourquoi il est en train de se faire exploser. Est-ce qu'il y a un endroit pour descendre où on descend vraiment en mode à la one again? Je pense que ça va être ça.
Ah non, ça va être par là. Allez, let's go, hop. Enfin, on avance un peu dans le jeu, enfin. On avance un peu, on avançait aussi dans les derniers épisodes. Mais là, on voit du nouveau, un nouveau village, etc. C'est cool. Après, comme je vous ai dit, là... En attendant de savoir pourquoi le sage bleu a disparu, il faut que vous ramassiez 45 piles d'énergie pour alimenter cette machine. Ne traînez pas. 45. Il m'en faut 20 encore. Putain. Oh. Les pierres sont sensibles. Vous m'avez l'air vraiment très doués tous les deux. Je fais une étude scientifique et vous pourriez peut-être m'aider. Hey, c'est notre aventure. C'est nous qui avons besoin de votre aide. Alors nous pouvons nous entraider. J'étudie le comportement des taupes éclairs dans le bassin précurseur près de notre village. Mais ces horribles lurkers ont effrayé les taupes qui sont remontées. Et comme elles sont aveugles, elles n'arrivent pas à retourner sous terre. Si vous parvenez à les ramener vers leur galerie, vous leur sauverez sûrement la vie. Une pile d'énergie vous convaincra sans doute. Ouais, les taupes éclairs, on s'en est qui? Mais contre deux piles d'énergie. Bien tenté, mais vous aurez droit à une autre pile d'énergie si vous me trouvez 90 orbes précurseurs pour mon équipement de recherche. C'est d'accord? Bon bah les 90 je les ai, donc on va les échanger. Oh, vous avez les orbes. Voilà la pile d'énergie, comme promis. Ok, nouvelle pile d'énergie quand il aura fini leur danse, là, la con. Je sais qu'on peut les skipper dans ces danses, si je me rappelle bien, mais c'est parce que je l'ai vu dans le... comment ça s'appelle. Bah oui, c'est du feu, connard, ça brûle. Je l'ai vu dans le speedrun, si je me rappelle bien. Bassin précurseur. C'est ici les trucs... les taupes là qu'il faut sauver. Mais elle est où ta galerie? Parce que ok, il faut te ramener dans les galeries, mais c'est où? C'est un de ces lurkers volants. Il a peut-être une pile d'énergie. Allez, go. Déjà un. Ok, il faut les ramener dans le truc. Allez, 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 on peut la voir. Non, j'ai pris le truc qu'il fallait pas. Oh là là là, j'ai pris le truc qui... Ce premier truc qui pouvait me tuer, je l'ai pris. Ouais, on va faire les taupes pour commencer et après on verra. Non, non, de l'autre côté. Là-bas, là-bas, là-bas. Oui, 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 oui. Voilà, c'est bien. Allez, à toi. Oui, par là, par là. Oui, bien joué. Il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres. Là, il y a une taupe. Viens, viens par là. Viens par là. Let's go, let's go, let's go. Non, va pas en haut, va pas en haut. Par là, oui. Oui, 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 bien joué. Il est rentré. Allons chercher notre pile d'énergie chez la géologue. Mais comment on arrive à attraper ces trucs-là? C'est pas grave, on prend les orbes précurseurs. Y a quoi, c'est quoi ce truc? Aide-moi, mais il en reste encore pas mal. Ok, c'est une course, une espèce de course, ok. On va essayer de le faire. Ah, là. Peut-être une pile d'énergie. Ah, il y a du temps et tout. Je l'ai loupé. Ok. Merde. Et voilà. Je
pas comment on peut faire les dérapages. Je fais tous les boutons, j'y arrive pas à déraper. Ok, là-bas. Oh, c'était joli. Magnifique. Ok. Yes, je suis trop fort. Trop fort. Ah, oh, c'était sûr que j'allais me taper la caisse d'écho noir. Bon, moi, on a récupéré une nouvelle pile d'énergie. Je dis, pourquoi pas. Poing. Ok, détruisons ces caisses pour les orbes précurseurs. Merci. Ah, il y a de l'écho bleu là. Ok, de l'écho bleu, de l'écho verte. Donc là, je suis invincible, c'est ça? Si je comprends bien. Non, je suis tombé. Oh, je l'ai failli avoir. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des trucs qui trempent? C'est juste des feuilles, il n'y a rien à faire là-dedans? Non? Bon, bah, il n'y a rien à faire, super. Alors, je pense qu'on a terminé à peu près dans cette zone. Enfin, je n'ai pas tout récupéré, je le sais, mais. Comment on arrive à avoir ces trucs volants là? Interdit de voler, monsieur, moi je peux pas voler. Ah, mais il y a un portail bleu aussi à faire. Ah, mais si vous me donnez des portails bleus et tout, j'ai envie de tous les faire maintenant. Bon bah, let's go, on va essayer de trouver comment accéder au portail bleu. Faut monter par là. Parce que là, je vois qu'il y a tout un chemin. Déjà, je vais récupérer toutes les orbes précurseurs que je peux trouver là. Oh, j'y étais. Dommage. Oh, faut tout recommencer. Oh là là. Oh, Link le nul. Ok. C'est trop bien, il y a des véhicules et tout. Ça, je trouve ça trop stylé en vrai. Non, j'étais dessus, le jeu. T'as pas le droit, c'est interdit. C'est interdit par la physique des jeux vidéo. Et on est reparti. Hop. Comme ça, je récupère les trucs qui me manquent. Et là, je pense qu'il faut aller vraiment par là. Et là, derrière. C'est ça. Et là, j'avance et je saute en même temps. Dépêche-toi, voilà le suivant. Ok, c'est là. Là-bas. Yeah! Oh, ce saut de ma... Ce saut que j'ai fait, c'était magnifique. Je suis allé trop haut. C'est pas possible. Vite, tu dois passer dans chaque anneau avant qu'il ne s'éteigne. Ah bah ouais, mais quand tu vas trop haut, hein, le jeu. Je suis allé beaucoup trop. C'est interdit. Bon bah on recommence, let's go. J'ai raté. Donc ouais, il y a bien un temps limite avant de les récupérer.
c'est bien ce que je me demandais. Je pense que les bleus restent un peu moins longtemps que les rouges, quoi. Parce que ça doit être le niveau 2, quoi. Let's go. On y va. Faut vraiment pas les louper, c'est compliqué, en vrai. Parce que vu que la hitbox des trucs est un peu... est un peu dégueulasse à des moments. T'es pas très sûr, quoi. Hop. Et là, cette fois-ci, on le rate pas. Voilà. Le pire truc qui peut arriver, je pense, c'est qu'il s'éteigne juste devant toi. Je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. Mais d'une façon magnifique. Il s'est éteint, non? Ouais. En plus, il y a un vieux son. T'as perdu, t'es nul. Ça me fume. Allez, on recommence, c'est pas grave. On essaye. Ouais, donc on a vraiment pas le droit à l'erreur. Tu fais une erreur, c'est terminé. Let's go. C'est pour ta pop. Oh non, j'ai oublié de sauter. J'ai oublié de faire le petit saut de cabri. Je sais pas comment on peut appeler ce saut là. Le saut. Le saut, quoi. Et ça m'énerve parce que je sais qu'il y a une pile précurseur à récupérer. Et me dire que. Bah, qu'elle est là. Que je peux l'avoir. Que je sais que je peux l'avoir et tout. Ça va me frustrer de me dire il y a la pile ici. Mais. Comme je suis trop nul, je peux pas l'avoir. Et ça va me frustrer. Et je vais passer 15 ans là-dessus. Et voilà la fin de l'épisode. Voilà, ça va être la fin de l'épisode. Ce sera ça. Essayer de récupérer cette précurseur. Alors que. Je sais que qu'il y a plein d'autres endroits où on peut aller et on peut récupérer des piles, quoi. Mais non, là, me connaissant, je vais être obligé de me coltiner ça pour réussir, quoi. Et pour me dire, c'est bon, je vais réussir à le faire. Je suis quelqu'un d'heureux dans ma vie. Oh non! Mais il faut vraiment pas accélérer. Il faut vraiment pas accélérer pour ce saut-là. Parce que si t'accélères trop, bah tu vas trop haut et adios. Adios le cercle. Bon, c'est quoi une dernière fois? Et si pour cette fois-ci j'y arrive pas, je ferai une petite ellipse. Et puis retrouverai dès que j'y arrive, en vous montrant bien sûr la course 2-0. Voilà, donc ça, c'est le dernier essai et après je le fais de mon côté et on verra. Mais donc là on peut avancer et c'est là où il faut pas trop accélérer. Voilà. Là, faudra passer entre les deux caisses d'écho noir. Pas ici, mais juste après. Genre là. En faisant le petit saut. Yes. Ok, et là, c'est de la découverte. Je ne connais pas. Oh merde. Parti du mauvais côté, c'est ça? Ok. Je me concentre un peu. Il est où l'autre? Mais il était où? Je le voyais pas. Bon bah tant pis, on recommence. Et merde. Bon, petite ellipse jusqu'à ce que j'y arrive. A tout de suite. Yes, putain, je l'ai raté tout à l'heure, enfin juste avant cet essai-là.
je l'ai raté à un anneau. Il me manquait un anneau à récupérer, je l'ai raté. Ça va, c'était. J'ai mis quelques essais à le faire quand même. J'ai dû mettre, je sais pas, 5-6 essais à le faire avant d'y arriver. Ça va, il était pas. C'était pas si compliqué que ça en vrai. Il faut juste réussir à bien gérer le véhicule. Vous savez quoi, on va aller revoir la madame maintenant qu'on a terminé ça, si j'arrive à retrouver où est-ce qu'elle est. C'est par là-bas. Let's go. Hop là. On regarde la moto et on y va. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Allez, ça c'est pour Bibi. Ça faut pas toucher, on se rappelle. Et ça doit être celle qui. Je suis jamais allé là, moi. Vas-y, parle. Attention à la lumière noire. Elle a affecté le destin de l'un de vous deux. Apportez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens. Donc 240 piles, bah vas-y, t'es déjà dans la une autre pile d'énergie pour votre quête. Merci. La petite danse et tout. On va lui en prendre qu'une. Parce que si on a besoin des piles d'énergie pour plus tard, on les a. Je sais plus où était la dame. Elle est là. Merci d'avoir sauvé cette taupe. C'est très gentil de votre part. Voilà une pile d'énergie pour vous. Je vais pouvoir poursuivre mes recherches. Donc, il nous en faut 45 si je me rappelle bien, c'est ça? On est à une trentaine, non? 30. Il nous en reste 15 à avoir. Oh là là là, mais ça va être super long. Prenons le pont. Déjà, j'ai récupéré ça. Non, trop court. Allons voir là ce qu'il y a. Pourquoi il pleure lui? Oh dieu, dieu, ma pauvre tête. Ce n'est pas l'un de vos organes vitaux. Allons, d'inertie, soldat. Pour sûr, j'étais fort dans le temps. Sûrement le plus fort de tous même. Tout seul, j'ai défendu ce village contre ces affreuses créatures pendant presque une année. Et puis, ce monstre horrible est arrivé et il nous a bombardés. Alors, plein d'ardeur et de courage, je suis monté sur la colline pour l'affronter. Mais il m'a aplati comme un vulgaire steak de Yako. Vous avez déjà essayé de l'attaquer avec vos tirades, parce que moi ça me tue. Après ma dernière défaite, il a bloqué la voie menant à son repère avec un bloc de 30 tonnes. Depuis, plus personne ne peut aller le défier. Alors, notre sage, maître en écho bleu et mécanicien de génie, a conçu une machine capable de dégager ce bloc du passage. Oh, mais hélas, il a disparu avant que nous ayons pu l'essayer. En emmenant toutes ces piles d'énergie avec lui. J'ai quand même réussi à retirer assez de passerelles de notre pont pour empêcher le monstre de venir ici me faire du mal. Ouais, bien joué, soldat. Mais il va falloir que vous les remettiez en place et tout ça. Bien sûr. Et causez ma perte. Bon, d'accord. Amenez-moi 90 orbes et je remettrai les passerelles. Mais je refuse de me battre contre ce monstre à nouveau. Ok, bah vas-y, tiens les 90. Oh, fantastique. Vous m'amenez les orbes précurseurs. D'accord, je vais réparer le pont. Mais merci, je ne monsieur. Veux plus jamais avoir affaire à cette créature.
Et on va pouvoir aller affronter la créature. Et je pense qu'après l'affrontement de la créature, on s'arrêtera là. Ah, il nous donne une pile. Non, un peu plus, une pile. Ah ouais, bah il est gentil, je croyais qu'il te fait répondre, juste, qu'il réparait juste le pont. Peut-être j'ai mal compris. Mais non, arrête de chialer maintenant, s'il te plaît. On va parler à l'autre, ne vous inquiétez pas, mais... Comme j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je le récupère, avant. Il veut quoi, lui? Qu'est-ce qu'il veut que je lui fasse? Oh non, pas un autre héros! J'ai perdu ma culotte lors d'un combat d'un pseudo-héros contre le monstre. Croyez-moi, il faut miser sur le monstre. Ce pari m'a complètement ruiné. Mais j'ai une proposition. Apportez-moi 90 orbes pour que je puisse me refaire et sortir de ce tonneau en échange d'une pile d'énergie. Et si ça vous tente, je vous propose un autre pari. Si vous battez le record de la course du défilé du défunt dans le bassin précurseur, à moi le gros lot! À moi le gros lot! Ce qui vous vaudra une nouvelle pile d'énergie. Donc déjà on va lui donner 90 si ma manette elle veut bien fonctionner, voilà. Oh oui! Ces orbes vont enfin m'aider à sortir de ce tonneau. Voilà la pile d'énergie promise. Merci. Ça fait une de plus, je suis content. Maintenant, on va essayer de faire la course, allez. Et puis... on s'arrêtera là, je pense. Oui, j'avais dit, on va attaquer, on va s'arrêter au monstre. Mais vu qu'il y a une course à faire, je me dis, pas non à une course. Dans le bassin précurseur, il avait dit. Donc c'est par là-bas. L'endroit où on était tout à l'heure. Est-ce qu'on va y arriver? On verra bien. Et comment faut faire pour le faire? Où est l'arrivée? Où est le départ? Parce que c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de départ, s'il n'y a pas d'arrivée... Comment savoir où est-ce que je vais? Ah, c'est là. Ok. Ok, c'est là la course. Faut faire 45 secondes. Oh là 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 là. Bah, du coup, la course, je la connais pas. Hop. On va le faire une fois au moins pour... Ah merde! Pour essayer de... Alors prendre les orbes bleues, ça permet d'accélérer. Ça c'est bon à savoir. Oh là, trop fort! Je suis trop fort, du premier coup. Et alors que j'ai fait la pire course du monde. Hop là, on va lui reparler, puis on mettra fin à l'épisode. Voilà. Un très bon épisode qui se termine. J'ai envie de dire. Oula. Ah non, le jeu commence pas. C'est pas le moment. Pas le moment de cracher. Ah ouais, c'était chaud quand même parce que c'était 45, j'ai fait 44 chez les quelques. Oh, bien joué petit. Je savais qu'on pouvait gagner. Nous irons loin tous les deux. Voilà ta pile d'énergie et moi je vais encaisser. Merci. Allez, encore une nouvelle pile d'énergie. Je dis pas non. Et on s'arrêtera, et on s'arrête bah, sur cette belle... sur cette victoire, voilà. Ben voilà, est-ce que le feu, ça fait mal? Oui, ça fait mal, ok. Donc voilà, c'était Link. Nous, on se dit à la prochaine, bah, pour le prochain épisode, où on ira voir le monstre, et voir si on peut le tuer pour gagner une nouvelle pile. Voilà, je sais pas combien de piles on a. Ah, la manette, elle refonctionne plus. On a 33 piles. On a toutes les piles du village, là, qu'on peut... Ramène 120 orbes et libère les 7 mécamouches. Sinon, tout le reste, on les a. Ici, il y avait quoi? Bassin précurseur, ramène les taupes dans leur trou, on l'a fait. Bat le temps record de la gorge, on l'a fait. Traverse anneau bleu et violet, on l'a fait. Il manque les cours et il manque trois autres trucs. Ok. Le canyon de feu.
Il nous manque les mécamouches. L'île de la Brime, il nous en manque deux. Ah, on n'a pas ramené la muse. C'est pas grave, on le fera si on a le temps. Trouve l'interrupteur de déco bleu qu'on n'a pas fait. Bat la plante déco noire. Ok. La plage chantinée, il nous en reste un qu'on n'a pas fait. Le village des sables, il nous en manque deux. Ah oui, 120 heures, bras l'oracle. Ok. Bon, bah, on verra ça dans les prochains épisodes, voilà. On verra comment ça se passe. Voilà, donc c'était Link. J'espère que cet épisode vous a plu. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Me suivre sur Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, c'était Link. À plus tout le monde. Bye bye.